Partenaire de scène et ami de Pierre Palmade durant de longues années, Michel Larocque prend la parole pour la première fois depuis le grave accident provoqué par le comédien en février dernier. Un immense chagrin. Michel Larocque prend la parole pour la première fois au sujet du grave accident de la route, provoqué par Pierre Palmade, au mois de février dernier. Les noms des deux comédiens resteront pour toujours associés dans la mémoire du public. Et pour cause, le tandem a connu ses heures de gloire au milieu des années 90, avec leur spectacle Il s'aïm, donnant lieu à plusieurs suites comme Ils se sont aimés ou encore Ils se re-aiment. Un succès qui les a également rapprochés en tant qu'amis. Pierre ne conduisait jamais. Interrogé dans les colonnes de Paris Match, Michel Larocque revient sur les addictions dont souffre Pierre Palmade. Je ne juge pas. Le problème est de savoir pourquoi il en est arrivé à ce drame. Si est pour moi un immense chagrin, à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident, commence-t-elle, révélant un détail surprenant au sujet de l'acteur de 55 ans, Pierre ne conduisait jamais. Quel que soit son état, assure-t-elle, ne cachant pas avoir observé des hauts et des bas, dans le tempérament de son ami, durant les 20 dernières années. L'ancienne compagne de François Baroin explique avoir tenté beaucoup de choses, des conseils de soins, de thérapie, pour sauver celui qui partageait la scène avec elle. Il a vraiment essayé, je ne suis le témoin. Mais nous sommes tous différents. J'ai essayé de comprendre ce qui ne veut pas dire excuser, soulignant que face à sa tristesse, Pierre Palmade avait tenté d'arrêter les drogues, parce qu'il ne supportait pas de me voir triste, les larmes aux yeux. Cet accident fut un choc si violent. Michel Larocque, qui prend le temps de rappeler, nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels, n'arrive pas à savoir si les succès ont été une source d'apaisement pour son complice. J'ignore ce qu'il ressentait profondément. Moi, ça m'a rempli, ça m'a fait progresser. Si est-ce pourquoi cet accident fut un choc si violent, confie la réalisatrice de 63 ans. La mère d'Oriane Deschamps, qui commente à demi-mot la récente sortie en boîte de nuit de Pierre Palmade, notre mission à nous, comédiens, si est-il d'essayer d'offrir des images positives, d'être exemplaire dans la mesure du possible, ne souhaite pas dévoiler davantage des conversations qu'elle peut échanger avec son ami, précisant enfin, il a un talent fou, mais il n'a pas réglé ses problèmes.